que vous allez bien. Moi, tout va bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc avec une première sur ma chaîne, donc c'est j'ai commandé sur le site de l'oréal.fr une box, c'est celle de février pour la spéciale Saint-Valentin. Donc je l'ai payée 19,50€ avec des frais de port de 3,95€. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans quand on la commande. Donc oui, des produits L'Oréal, mais sinon, on ne sait pas son contenu. Donc on va découvrir ça ensemble, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc à vrai dire, elle est ouverte. Pour qui, pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait déjà 3 fois que je refais cette vidéo, je vais y arriver. La première fois, en voulant faire le montage, j'ai remarqué que ma vidéo était floue. Ensuite, la deuxième fois, j'ai remarqué qu'au final, je n'avais plus de batterie. Et donc elle s'est coupée vers la fin, donc je suis un peu dégoûtée. Et donc bah maintenant, on s'y remet, on va la refaire. Donc je n'aurai pas la surprise de ce qu'il y a dedans, parce qu'évidemment je l'ai ouverte. Mais vous ne savez pas, donc je vous montre ça, on voit ça ensemble. Donc je l'ai reçue donc, dans un petit carton, voilà, comme ceci. Alors, ensuite... On a un autocollant qui explique un petit peu sur le crayon, sur le liner, tout ça, comment on les utilise, etc. Et ensuite, dans un petit sac comme ça, on a la fameuse box. Voilà, vous pouvez voir L'Oréal. Donc, j'adore. Hein. Je voyais toutes les youtubeuses avoir leur petite box et j'avais envie justement de le faire. Et les produits L'Oréal, comme vous pouvez le voir, je les utilise très régulièrement. Je les achète en centre commercial. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on enlève la petite boîte. Ensuite, à l'intérieur, vous avez du petit papier craft, je crois que ça s'appelle comme ça. Couleur rose et noir. Donc sur le tout premier, vous avez un petit sticker L'Oréal avec leur petit logo le noir, et ensuite à l'intérieur vous avez tout ceci. Donc le menu, bon, moi je sais pas si on a plus un menu, c'est plus le récapitulatif de la commande, parce qu'il n'y a pas du tout les références des produits, à combien ils peuvent être, comme dans certaines box on peut le trouver. Donc voilà, il y avait ça qui était normalement à l'intérieur de la boîte en carton. Donc voilà, pour nous remercier de la commande. Ensuite, dans le carton, vous avez 3 échantillons. Donc, quand vous cliquez pour commander votre box, vous pouvez demander les échantillons que vous voulez. Donc, j'ai commandé l'échantillon de L'Oréal, donc la crème de jour sublimiste. Donc, je l'ai déjà et elle est géniale. Je vous ferai d'ailleurs une morning routine. Justement avec ces produits, que les produits que j'utilise, elle en fait partie. Ensuite on a un échantillon du fond de teint infaillible tenue et confort 24 heures, celui-ci. Et puis on a aussi le fond de teint le teint à corps parfait, celui-ci, je ne l'ai jamais essayé non plus. Donc bah, j'ai voulu avoir les échantillons pour pouvoir voir si c'était si ça va être bien pour moi ou pas. Donc passons maintenant au contenu. Voilà la box. Donc à l'intérieur vous pouvez y trouver donc 2 petites boîtes spéciales Saint-Valentin. Est-ce que je le mets à l'endroit? 2 petites boîtes spéciales Saint-Valentin. Voilà, des petites boîtes en fer. Donc il y en a une rose spéciale pour elle et une orange spéciale marquée pour lui. Donc en fait, vous appuyez, hop, et à l'intérieur vous avez des petits pompons. Et oui, ce sont des petits cœurs. Et en fait, c'est trop bon à la fraise. Ce sont des petits bonbons. Et en fait, ces petits bonbons-là me font penser, vous savez, quand on était tout jeune, on allait encore maintenant, hein, je suis sûre que j'en rachèterais, le collier qu'on mettait, collier de bonbons,
avec des petits ronds à l'intérieur et qu'on mettait à la bouche et on croquait. On faisait tiens, je mange tous les jaunes, je mange tous les blancs, je mange tous les bleus, les verts, je crois. Je sais pas combien de couleurs il y avait, mais voilà. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Donc c'était super bon. C'était bon poudre là. J'adore. Donc il y en a un pour elle et un pour lui. Donc c'est la même chose pour le garçon. Pour lui. Et ensuite, dans les produits de beauté, donc vous avez. Donc je suis super heureuse. Vous avez le petit vernis L'Oréal. Donc là, c'est un rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de voir au retour. Un rose bébé. Donc vous savez, ils ont sorti leur gamme vernis et rouge à lèvres avec les noms de célébrités, les prénoms de célébrités. Et en fait, celui-ci, c'est le Natacha. Donc c'est le Color Rich Delicate Rose de chez Natacha. Donc voilà, et j'adore le packaging. Enfin, voilà, je voulais les essayer, avoir la collection des vernis et des rouges à lèvres. Donc ça tombe bien. J'ai mon premier vernis de cette marque-là. Donc on verra bien si ça tient bien et si c'est joli. Je sais pas s'il est un peu pailleté. Non. Non, il n'est pas pailleté. Il est irisé, mais il n'est pas pailleté. Donc ça fait un rose bébé. Un petit peu corail, je dirais même. Un rose tiré vers le corail. Et ensuite, on a de la marque L'Oréal, donc le crayon Kohl. Je vous mettrai des photos en fait en fin de vidéo. Donc c'est le crayon Kohl, le Color Rich, chez L'Oréal. Il est noir et couleur heure. Et en fait, il est magnifique. Il est très gras, très foncé. Ce que j'adore. Donc en fait, moi le crayon Kohl, j'en mets très régulièrement, comme vous pouvez voir dans sur mes photos, des choses comme ça. Donc je mets en muqueuse interne et en interne aussi au-dessus, dans la muqueuse. Donc voilà pour ça. Hop. Je crois pas qu'il est waterproof parce que j'arrive à l'effacer à la main. Donc je dirais pas qu'il soit pas waterproof, mais il est très intense en tout cas. Donc voilà. Et ensuite, il y a le mascara. Mais the mascara. Il fallait que j'en achète un. Et au final, eh bien, j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Je suis allée quand hier. Et oui. Celui-ci de L'Oréal. Un des derniers. Donc il est à double côté. C'est le Fossil Superstar. Donc j'espère qu'il sera bien. C'est la première fois que j'en utilise un comme ça. D'habitude, je prends toujours donc, les L'Oréal, tout ça. Mais un seul côté étant là, le dernier que je dois avoir, que je suis en train de terminer, c'est le manga. Le jaune et noir. Et donc voilà, donc je suis très contente. Donc en fait, vous avez deux côtés. Vous en avez un côté comme ça. Donc avec des fibres. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc c'est blanc. Avec des fibres à l'intérieur. Donc vous mettez une première couche comme ça. Donc vous allez avoir les cils tout blancs. Et ensuite, vous allez avoir donc la fameuse brosse de mascara. Donc un petit peu en forme banane. Donc ça va être... nouvelle méthode pour moi parce que j'ai jamais utilisé un mascara comme ça. Donc j'en ai toujours, moi c'est les mascaras normaux ou alors avec en silicone. À petit picot, grand picot, voilà ça dépend. Mais celui-ci je ne l'ai jamais utilisé. Donc j'ai vraiment hâte parce que vous pouvez constater sur internet, sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeuses qui utilisent justement les mascaras avec des fibres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Je vous dirai des nouvelles et je ferai sûrement une vidéo, peut-être un make-up que je fais très régulièrement en utilisant ces produits qui peuvent vous montrer en même temps si les produits sont bien ou pas. Donc voilà, et après ensuite donc on a toujours un petit peu de papier craft. Donc voilà pour cette nouvelle box de février. Donc je suis très satisfaite des produits. Très contente. J'aurais voulu un petit peu plus de produits. Ça aurait été sympa que d'avoir des bonbons. C'est gentil, hein, c'est ça, enfin, c'est mignon. Mais bon, je préfère les produits beauté que de manger. Donc voilà pour cette box de février 2016. J'ai essayé sûrement de prendre la box tous les mois pour pouvoir vous présenter un petit peu tous les produits. Si vous aussi vous faites les box beauté, que ce soit la L'Oréal ou autre, parce qu'en fait j'ai regardé un peu sur internet, il y en a beaucoup et je ne savais pas trop laquelle choisir, mais L'Oréal comme je l'utilise très souvent dans mes produits beauté, pardon, je me suis dit
pourquoi pas me lancer. Donc dites-le-moi dans les commentaires si possible vous utilisez et quel est le nom de votre box pour que je puisse aller voir en même temps. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve avec de nouvelles vidéos. Bisous!